Boulain. Voilà alors, ce qu'on vous demande. Aïe, mais ça, ma poitrine. Voilà alors. Voilà. On vous dit partager rien. Envoyez les cœurs, rien. Vous n'envoyez pas les cœurs, vous ne likez pas. Je m'en vais dormir, je suis malade. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien, mais je suis là. On est en train de causer. Alors que je ne me sens pas bien. Hein? Vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez pas envoyer les cœurs. Qu'est-ce que je dis de mal? Qu'est-ce qu'il y a de méchant? Vous n'aimez pas entendre que les gens ne sont plus dans les clashs. En quoi ça vous fait mal? Je vous donne ma position et je vous dis, je profite pour donner les conseils, vous les petites sœurs là. Qu'arrêtez de croire que oui, comme on est trop belle, le mariage, c'est que tu es trop belle. Non. On travaille le mariage tous les jours. L'amour, non. L'amour se travaille tous les jours. Vous ne partagez pas, vous n'envoyez pas les cœurs. Et moi, je vais rester là comme ça. Non. C'est que je vous dis là alors. C'est mauvais. Quand tu entends qu'une fille a fait ceci à un gars, est-ce que c'est souvent comme ça? On vous apprend le savoir-vivre. Si j'avais quelqu'un qui me donnait les conseils comme je vous donne là. Tu as noici et c'est normal, ma chérie. Moi, je ne fais pas. Comment les gens modifient souvent l'écran là? Comment vous dites souvent les applications pour éclairer là? Ça, c'est normal. Tu es mal habillée. D'accord, je suis mal habillée. Et alors, il fait chaud. Je pouvais bien. Comment vous appelez là? Je n'ai pas mis les filtres, voilà. Je peux bien mettre les filtres. Attendez, je mets alors les filtres. Je mets les filtres, non? On met les filtres même comment là? Attendez. Attendez, je vais mettre les filtres. Parce que quelqu'un me dit que oui. Attends, je vais mettre les filtres. Attends, hein. Comme ça qu'on fait, non? Hein? Voilà. Là, j'ai mis les filtres ou pas? Ok. Bon, là, il y a les filtres ou pas? Je sais pas. Hein. Bon, bref, je ne sais pas s'il y a les filtres. Je ne sais pas comment on fait les filtres là. Non, mais pas les filtres. Moi, je ne sais pas comment on met les filtres, désolé. Donc, j'étais en train de dire qu'il faut souvent arrêter de dire que, oh, on a volé le mari de tel, on a volé le mari de tel. Le mariage s'entretient, l'amour s'entretient tous les jours. Entretenir l'amour ne veut pas dire que parce que j'ai acheté des chaussures de 10 000 euros à un gars. Si tu achètes, le gars trouve même une fille qui n'a rien, qui l'aime de vrai, qui le respecte, il va go. L'amour, c'est le respect. Les hommes aiment quand on les respecte. L'homme aime vivre avec la femme qui le respecte. L'homme aime que quand il avait une femme, il te dit que arrête d'aller sur Facebook 10 fois par jour. Tu dis, ok chérie, je vais parler 10 fois, mais je vais aller seulement 2 fois. Les hommes aiment ça. Même s'ils ne te donnent rien. Il veut avoir sa place de l'homme qui porte le pantalon. Dans le couple, c'est l'homme qui porte le pantalon. C'est pas que dès que le gars te parle, dis donc, tu m'apportes quoi pour me donner les ordres? Tu m'apportes quoi? Non. Donc, ce que je vais vous dire pour conclure, c'est que compression amoureuse. Et même si cet amour va durer qu'un jour, même si ça va durer qu'une semaine, je touche du bois. Je souhaite que ça dure l'éternité. Mais pour que ça dure, elle doit pouvoir entretenir aussi le. Elle doit entretenir cette relation et le respecter. Vous ne voyez pas qu'elle a beaucoup changé depuis qu'elle a connu ce gars? Elle n'est plus trop sur les réseaux sociaux. Le gars n'aime pas Facebook. Un homme qui n'aime pas Facebook, tu viens réclamer le canapé. Tu le filmes, tu envoies sur Facebook. Est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est normal? Tu l'as exposé. Tu l'as exposé. Il fallait laisser les gens raconter ce qu'ils racontent, pas toi.
Est-ce que tu penses à ta famille, que ta famille te voit sur Facebook en train de discuter un homme, en train de dire que tu vas me remettre mon canapé, tout ça là? Sincèrement, c'est pas bien. En tant qu'une grande sœur, comme je suis la plus vieille de Facebook là, en tant qu'une grande sœur, c'est pas normal, ma chérie. Ne refais plus jamais ça. Si tu avais un homme, même si vous avez n'importe quel problème, n'amène pas sur Facebook. Quand on amène un dossier sur Facebook, surtout pour un homme qui n'aime pas les réseaux sociaux. Les hommes qui n'aiment pas les réseaux sociaux, ils n'aiment même pas quand leur nom, quand ça passe seulement sur Facebook. Jamais. Eux, ils n'aiment pas. Il y a des hommes qui n'aiment pas les réseaux sociaux. Il y a des hommes qu'ils n'aiment pas quand ils ont un problème avec leur petite amie, ça se retrouve sur Facebook, même en parabole. Il va te barrer pour toujours. Il préfère que tu appelles ta famille, tu appelles tes amis, que d'amener sur Facebook. Parce que quand on amène un dossier sur Facebook, ce n'est pas pour arranger, c'est pour gâter. Donc, apprenez souvent à réfléchir beaucoup avant de ramener les problèmes, vos problèmes sur les réseaux sociaux. Regarde comment tu marches pieds nus. Moi, ça m'a fait de la peine de te voir comme ça là. En disant, ouais, tu as vu qu'on peut m'insulter. Mais le gars va faire quoi? Vous le discutez. Il va faire quoi? Il vous aime, vous deux, peut-être. La polygamie existe en Afrique. Tu la portes peut-être quelque chose que Compresseur ne la porte pas. Compresseur la porte peut-être quelque chose que tu n'apportes pas. Vous deviez plutôt gérer ça en grande dame et que chacune ait son tour. Hein? Que chacune ait son tour. Que il dort ici lundi, mardi, il dort là-bas. Maman, mais Thierry, tu es fort, hein? Franchement, de nos jours, trouver un homme en Bengui qui a lu ces deux maisons où aujourd'hui il mange le kwem sansé là-bas. Après, il part là-bas, il mange le mbongo. C'est ça. Franchement, fort aux fesses. Je suis sûr que hein, c'est le plantain. C'est le plantain, papa. Je te donne les mains. Je te dis que je te donne les mains. Tu es un chaud. Je te supporte. Traite-moi les gars-là. Celle qui t'énerve, même si c'est Marco qui t'énerve, tu pars toi dormir là-bas. Tu manges le kwem et le ntouba. Quand l'autre prépare à toi le ntouba, parce que ça constipe, tu quittes pas manger le mbongo là-bas. Quand l'autre t'énerve à gauche, tu pars dormir deux jours. Non, papa, tu es faux, hein? Tous les gars qui vont parler là, c'est passé, hein? Ils ne peuvent pas gérer comme tu gères. Non, je te donne les mains. Ça, je me souviens, j'ai aimé un gars, le boxeur. Maman, quand tu vois ton gars en train de partir, non? Qu'un gars Tayamo, que tu ne connaissais même pas sa valeur, quand il go déjà, hein? Que quand tu sens qu'il est déjà avec une autre fille, c'est là où tu l'aimes. C'est là où tu as envie de prouver. Ça dit que quand un gars est déjà go, qu'il a vu une autre fille jusqu'à tout le monde connaît déjà qu'ils sont avec telle fille, c'est où tu te bats pour ta place jusqu'à. Alors que quand tu étais seul, tu te dis, donc tu m'apportes quoi. Quand le gars est déjà go jusqu'à, tout le monde sait que le gars soit avec elle. Hey! Quand il est même là, tu veux jouer le deuxième rôle. Il dit, attends, elle dort, je t'appelle. Maman, attends, elle ne dort pas encore. Tu dis, quand ton téléphone sonne, des fois même il t'appelle en masqué. Quand tu vois un numéro masqué, tu crois que c'est lui. Quand c'est les gens de la publicité, là, ton cœur, quand c'est lui, ton cœur frappe comme si. Je dis que tu décroches. Alors chérie, non, je suis dans les toilettes, je suis à la salle de bain. Elle dort. Oh, chérie, c'est comment? Tu passes me voir quand? Tu vas passer me voir quand? Je veux mourir. Tu m'as fait ça. Je pas. Il dit, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Tu sais que je t'aime toujours. C'est toi qui m'as poussé ici. C'est toi qui as fait que je suis maintenant ici. Je t'avais toujours averti. Tu dis que oui, tu m'avais averti. Excuse-moi pour tout le mal. Chérie, tu viens à local. Il dit que non, je ne sais pas. Et les hommes, mais quand un homme sait que quand on le discute, il mousse. C'est même. Je t'avais toujours dit non. Hein? Tu ne me respectes pas. Non, 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 non. Tu m'as promis combien de fois que tu vas changer. Hein? Tous les jours, je vais changer. Tu ne changes pas. Non, 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 non.
Maintenant, je vais faire comment? Je suis déjà engagée. Les hommes. Je vais faire comment? Je suis déjà engagée ici. Chérie, tu as engagé comment? Est-ce que tu as déjà vu ses parents? Comment tu peux me dire que tu as engagé? Je ne savais pas que tu allais. Tu as engagé, ça veut dire que quoi? Tu as déjà vu ce. Non, je ne les ai pas encore vus, mais je parle avec eux au téléphone. Quand tu entends qu'ils parlent avec les parents de l'autre fille au téléphone, tu dis que, tu m'as fait ça. Tu m'as fait ça. Seigneur, Dieu va te punir. Tu sais quoi? Ne m'appelle plus jamais. C'est bon. Vas-y avec elle, ça va. Tu raccroches. Après, tu regardes ton téléphone. S'il t'appelle, quand tu appuies son numéro, il t'a déjà bloqué. Tu as pris à gauche, il t'a déjà appelé et bloqué. Tu peux acheter une autre puce. Tu l'appelles dès qu'il entend ta voix. Allô, c'est moi. Il dit que quoi? Pourquoi tu m'appelles? Ne m'appelle plus. Ne m'appelle plus. Maintenant que j'ai ma vie, tu veux la détruire, n'est-ce pas? Tu crois que tu es trop sage pour que je. Parce que les gars sont que. Il ne veut pas revenir parce qu'il a peur que. Tu veux le piéger. Comme ça, il laisse là-bas, il revient, tu le fais encore souffrir. Il dit que, tu sais quoi? Ne m'appelle plus. Oui, je ne t'appelle plus comment? Tac, il bloque la puce, maman. Voilà trois puces qu'il a bloquées. Tu pars encore, tu achètes encore une autre puce. Tu changes de numéro, tu l'appelles encore. Maman, il ne prend pas. Il ne prend pas. Après un jour, tu vois, c'est mon numéro masqué. Tac, il t'appelle. Allô? Flore. Tu dis, c'est qui? C'est qui? Comment? Tu ne connais plus ma voix, c'est ton mari. Quel mari? C'est moi, tel. Tu ris seulement. C'est comment? Tu n'es plus avec ta femme là. Il te dit que pourquoi? Tu dis que tu n'es plus avec elle. Il dit que pourquoi tu demandes ça? Oh, ne parle pas d'elle, parlons de nous. C'est comment? Tu es où? Et ton show? Et le gars demande, et ton nouveau show, c'est qui? Tu dis que non, je n'ai personne, je suis toujours là, non. N'est-ce pas? Tu m'as laissé, maintenant je suis seule. Le gars dit que, ah. Il commence à te parler de la nièce. Tu te souviens quand on niaçait? Il commence à te parler de la nièce. Tu dis que, ah, tu as voulu partir, non? Après, il te dit que, bon, ça va, tu peux me faire manger. Quand? Prépare-moi à manger, venir. Tu dis que tu vas venir. Il dit que oui, je vais venir te voir. Mais je préfère pas que tu en parles. Ça reste entre nous. Tu dis que oui, chérie, je ne peux dire à personne. Vraiment, fais-moi confiance. Je ne peux pas dire. Je vais dire par rapport à quoi? Est-ce que j'ai d'abord les amis? Parce que les femmes, hein? Est-ce que j'ai d'abord les amis? Je vais d'abord dire à qui? Hein? Est-ce que les gens contrôlent ma vie? Non, ne commence pas à dire que venir te voir. Maman. Hey! Le jour que le gars arrive, même si la fille ne préparait jamais, qu'elle est déjà entrée à la cuisine, elle a dressé la table. C'est comme ça qu'elle est gentille avec le gars, chéri. Quand tu sens qu'un gars part déjà, qu'il est à go, tu commences à travailler, qu'il revient. Le gars vient, maman. Il vient, il entre, il te regarde, il dit que tu es toujours belle. Hein? Tu dis que, Quand tu veux parler un peu de là où il habite, il te dit que non, je ne veux pas qu'on parle de ça. Parlons de nous. Maman, sans manger, le gars part dans la chambre, la jachère de ça, la gnasse de ça. Le gars gnasse jusqu'à. Tu crois que vous allez reprendre? Quand il part, il ne t'appelle pas. Il ne t'appelle pas. Tu dis que. Quand il t'appelle encore. Là, tu es en train de devenir maîtresse. Hein? Les filles, attention. Là, tu es en train de devenir deuxième bureau, là. Il est venu, il a gnasse. Quand il a fini de gnasse, il mange vite. Il dit que non, je veux partir. Tu sais que la fille, là, il faut que je rentre. Tu dis que ah bon, et tu rentres à voir ta femme, n'est-ce pas? Ça dit que quand c'est comme ça, tu as des trucs dans la tête. Ça dit que dans la tête, tu as des sept trucs qui tournent dans ta tête. Tu dis que ouais, je peux le filmer pendant qu'il me gnasse. Dans ta tête, tu sais pas que qui peut me filmer pendant que le gars, il me gnasse. J'envoie Sanga pour gâter. Quand le gars lui-même est là, qu'il est en train de niaiser, il guette partout. Il dit que j'espère que tu. Le gars, non. Là, tu es en train de devenir. C'était ta place, hein. Mais là, tu es en train de devenir deuxième bureau. Il commence à te dire que oui, j'espère qu'il n'y a personne, hein. J'espère que tu ne me filmes pas. J'espère que tu n'as pas fait la photo. Le gars évite. Il ne veut même pas une petite photo. Quoi? Oui! Il dit que quand c'est comme ça dit que tu dis que peut piéger le gars, c'est comment? Et tu commences à réfléchir que, mais il peut me organiser une touche pas à une coupe. Tu commences à lui proposer les choses que tu n'as jamais proposées. Tu commences à dire que chérie, c'est comment? Tu te fais une petite touche pas là. Il te dit que quoi? Tu fais les choses comme ça, tu dis que chérie, j'ai changé. On peut faire. Il dit que quand? Il te donne un rendez-vous, il ne vient pas.
quand il te donne rendez-vous, tu commences à imaginer dans ta tête que je vais filmer le gars si j'envoie à Sanga. Je vais le filmer même en train de manger. Quand le gars mange, il te regarde en face, tu ne bouges pas. Quand il est en train de manger, il cause avec toi, il te regarde, il surveille. Il surveille, il dit seulement que l'angassi. Après, tu ne peux même pas prendre ton téléphone parce qu'il te dit que je ne veux pas le téléphone. Voilà que c'est ta tu es devenue maîtresse, oui ou non? Voilà comment on devient maîtresse des filles. Voilà. Vous croyez que maîtresse, c'est quoi? Voilà comment on devient maintenant Djumba. Tu perds ta place parce qu'il a déjà assuré là-bas devant. Il ne fait que te promettre que oui, tu sais, je ne sais pas comment. Laisse, on va arranger les choses. Je vais faire tout pour la quitter, mais je vais. Tu commences à chercher. Tu as des projets avec elle. Il dit que ne parlons pas d'elle. Maman, les hommes. Tu penses qu'un homme qui est bien quelque part, il va revenir avec toi pour que tu commences encore à le traumatiser le cerveau. Jamais. Il ne peut pas. Tu vas seulement devenir que gnasse manger égo. Gnasse manger égo. Parfois, quand il a besoin de quelque chose, non. Quand il tourne, parce qu'il sait toujours que tu as été important pour lui. Mais tu n'es pas sa femme pour le mariage. Parce qu'il y a les femmes pour le mariage. Il sait que tu es gentil, tu lui donnes les dos, mais tu ne fais pas les choses qu'une femme doit faire, dis donc. Donc lui, il ne peut pas être avec toi. Lui aussi, il a sa famille, on veut le voir en couple. Mais toi, tu es tout là en l'air, toujours en train de partir, 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 partir. Donc le gars aussi, quand il veut peut-être quelque chose comme ça, quand Sanga n'est pas là. Et les gens de gars là, non, ils ne te montrent pas où il habite. Il te dit tout que non, ça va, on part à l'hôtel, il te tourne, tu deviens la maîtresse, vous tournez maintenant dans ce qu'on meuble là, appartement meublé, vous commencez à tourner que là-bas. Quand il a besoin de quelque chose maintenant, il te dit que, quand il a maintenant besoin de quelque chose, il te dit que, tu fais quoi ce week-end? Tu dis quoi, Tanga n'est pas là? Il dit que non, ça va, je gère. Tu dis que le week-end comment? Il dit que je peux venir samedi soir après le boulot, je viens. Et je rentre dimanche. Il a menti à Sanga où il habite, où il a dit d'assurer sa vie qu'il est à Paris, alors qu'il est couché toujours dans la ville. Et maintenant, tu commences à avoir peur. C'était ton gars. Maintenant, tu as peur. Tu commences à dire. Donc, tu dois cacher. Parce que si tu tentes de dire que le gars te voit, il ne vient plus. Qui a mal au cœur? Maman, vous ne connaissez pas ce que perdre un gars. Rien que quelqu'un qui a connu la déception peut savoir. J'ai pourchassé une fille dans la ville, pour chasser jusqu'à ce qu'elle a déménagé à cause du gars. L'amour, c'est quelque chose que... Quand vous êtes là, vous dites que, ah, elle pleure même pour quel gars. Parce que sur le coup, ça dit que tu ne comprends pas. Tu as seulement envie que le gars te rassure qu'il n'aime pas l'autre fille. Et comme les hommes, non, ça va, je ne l'aime pas. C'est juste que comme elle était en difficulté, j'étais là pour elle, mais... Je ne l'aime pas. Tu sais que tu as toujours été ma femme, non? Tu sais que tu as toujours été ma femme. Il vient rester là le week-end. Après, il te dit que ouais, j'ai même un problème là. Tu sais que c'est la fille là qui a tout payé. Les hommes, tu sais que c'est elle qui a tout investi dans la maison là. J'ai envie de partir de là. Il faudra qu'ils prennent ma part d'appartement. Tu dis que chérie, oui, je peux t'aider. Il ne t'a même pas encore dit aide-moi. Mais c'est toi qui proposes, chérie, je peux t'aider. C'est 2 mois de loyer, 1 mois de caution. Non, d'accord, je te donne. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de pays. Il te dit que non, je vais habiter seul. On va encore réapprendre à se connaître parce que toi là, je ne te fais pas confiance. Je ne te fais pas confiance. Tu vas encore faire, je vais encore m'engager. Tu vas encore chercher à me killam. Non, mieux, je veux maintenant rester chez moi. Tu restes chez toi, on se fréquente. Maintenant, c'est toi qui as donné l'argent, il a pris la maison, non. Quand tu donnes même l'argent, il prend la maison. Il n'est pas en train d'appeler prendre la maison. Il est en train d'aller acheter le billet d'avion à sa nouvelle gars avec qui il habite pour qu'ils vont faire le love au pays. Tu ne peux pas parler fort parce que tu as déjà dit à toutes tes copines que tu n'es plus avec. Il ne te sert à rien, même si le gars là... D'autres profitent pour dire qu'on les a engrimbalisés. Il n'y a pas l'ongrimba dans ça. C'est la faiblesse qui fait on dit que non, il y a l'ongrimba. L'autre fille a fait l'ongrimba. Il y a les gars qui disent que non. Le gars, la fille, je ne sais pas, elle a dû faire quelque chose. Donc on vous fait croire que... On lui a fait quelque chose, jamais. On n'a rien fait. C'est parce qu'il se sent bien là-bas. Il est en train de faire son avenir, de préparer son avenir là-bas. Entre-temps, tu es devenu seulement Sanjumba, qu'il vient tchouquer, ignace, à 6 heures. Il te dit que je m'en vais. Pardon, ne m'appelle pas, c'est moi qui t'appelle. Quand il rentre, tu ne peux pas l'appeler. Parce que maintenant, le gars, tu es devenu maintenant deuxième bureau. Tu ne peux pas l'appeler.
tu respectes. Parce que si tu ne respectes pas, tu ne le verras plus. C'est ça. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Un homme qui aime une autre femme, non. Il n'y a que son cœur pour détester, pour décider. Rien ne peut le dissuader qu'elle est. Rien ne peut l'empêcher. Oui. Et quand les hommes mettent déjà deux femmes que challenger, le challenger, maman, le challenge, chacune va voir comme ça pour prouver que c'est elle qui doit être là. Et c'est un combat sans merci. Tout ce que je peux dire à Tatiana, c'est que beaucoup de courage à toi, il faut passer à autre chose. Parce qu'un couple qui se bagarre, si tu perds un œil, si tu perds ta vie, c'est toi qui vas perdre ta famille. Si le gars go ongata pour bastonnade parce que vous bagarrez partout, quand ça ne va pas, hein, autant mieux se séparer. Tu dis que ok, bonne chance, au revoir. Si par là-bas que c'est bien, c'est bien. La vie continue. Tu vas faire quoi? Les gens vont parler sur Facebook, ils vont faire les directs, ils vont faire les directs. Ça va changer quoi? Vous pensez qu'un homme qui aime une autre femme, c'est en faisant les directs qu'il ne va plus être avec celle-là. Au contraire, vous allez bien le pousser encore là-bas. Donc moi, je dis tout simplement à Tatiana que le à cœur ouvert que tu as fait la vidéo pour envoyer, que tu vas aller passer à cœur ouvert là, moi, je te déconseille. Je te déconseille en tant qu'une grande sœur. Pas parce que je suis jalouse que tu passes à cœur ouvert. Mais seulement parce que tu as vécu avec un homme, vous avez partagé beaucoup de choses ensemble. Et tu oublies que toi, Tatiana, maintenant, tu es complice avec mon père. En fait, c'est un peu comme un échange. Maintenant, mon père maintenant est devenu ton meilleur ami. Mon père. Tu es maintenant avec mon père comme ça. Mon père t'a même dragué. Moi, j'ai eu la confirmation que mon père t'a dragué. Mon père voulait qu'on monte avec toi. Et que vous êtes en pourparler. En fait, mon père veut qu'on monte avec toi pour choquer son ex. Et toi, tu veux qu'on monte avec mon père pour choquer aussi. Vous savez que même si vous commentez à deux, ça ne va pas les choquer en fait. Ça sera plutôt du ridicule. Donc, je te déconseille, Tatiana, de ne pas entrer dans ce cercle-là. Tu n'as jamais été une fille sur les réseaux sociaux. Tu es sur Facebook comme toutes les autres personnes. Ou fais joint, maman. Ok, je vais te servir. Désolée, un instant. Je vais te servir, maman. Je vais venir à ma terre. Je viens. Ok, maman. Mon appétit. On a chauffé, non? Je vais chauffer un peu. Maman. Donc j'étais en train de... Je vais couper alors le live, non. Comme j'étais en train de dire là que ça ne sert à rien. C'est que tu parles avec tonton Achille là. Sache que quand tu finis de parler, non, ça vient nous trouver. Fais très attention. Là où tu es entré là, tu vas beaucoup regretter. Je ne te mens pas. Tu vas beaucoup regretter. Une fille qui n'est pas sur Facebook, tu viens chercher quoi maintenant sur les réseaux sociaux? Tu vas partir parler à cœur ouvert. Quand tu vas finir de parler, ça va ramener le gars. Tout le monde saura vos secrets de vie. Est-ce que ça va le ramener? Hein? Il faut que les gens sachent souvent faire la part des choses. Tu vas aller parler de ta vie privée. Si le gars vient maintenant s'asseoir, commencer aussi à déballer ta part, que ok, ça engage sur Facebook. Ce qui est sur le gars ne fera jamais un truc pareil. Mais tu imagines un peu, je me fais mal. Bon appétit. Je vais sortir là tout à l'heure. On est samedi. Donc peut-être que ce soir, là. De toute façon, je viens manger, ma. Bon appétit. Ok. Et quelle heure? Voilà, merci. Il est 14h. Ok. À ce soir, non. J'en vais.
Ok, attention, maman. Voilà, cool. Qu'est-ce que je vais même... Je vais faire quoi tout à l'heure? Je vais aller me coucher, je vais ranger ma chambre. Donc, je disais que, Tatiana, ton à cœur ouvert que tu vas aller parler de ta vie de couple là, moi, je te déconseille. Je te déconseille que ne pars pas là-bas. Parce que tu connais ton passé. Tu sais que ça peut te faire du mal, ça peut te traumatiser. Tu sais qu'en venant parler du gars, c'est un gars qui t'a accompagné partout, qui a toujours été là pour toi. Si tu pars à cœur ouvert parler de sa vie, il va venir s'asseoir à côté de Sangha pour dire que maintenant que c'est déjà versé, ouais, je veux aussi répondre. Est-ce que ça va vous amener où? Nulle part. Donc je te déconseille, ma chérie. Un problème de couple, il n'y a pas mort d'homme. Vous pouvez encore vous arranger. Vous pouvez encore vous arranger. Vous pouvez encore vous arranger. Ne tombe pas dans ce piège-là. Il ne faut pas que les gens t'amènent, que même mon père t'amène, parce que tu es complice avec mon père. Sache que tout ce que tu parles avec mon père, ça va tourner, tourner, venir nous trouver. N'oublie pas que mon père a l'enfant avec Mako. Ils sont liés. Laisse ce que tu fais là. N'entre pas dans ça. Parce que tu vas caler au milieu. Et la honte sera pour toi. Toi, tu n'as jamais été sur Facebook pour avoir honte. Mako est déjà habituée à la honte. Elle est comme moi. Nous sommes déjà habitués que... Comment on dit souvent là? Le genre qu'on a plus honte là, non? Le genre que la honte a foutu le camp. Voilà. Mako est déjà le je m'en fous que la honte a foutu le camp. C'est toi qu'on ne connaît pas sur les réseaux sociaux. Tu vas venir parler de ta vie de couple avec Thierry sur Facebook en vertu de quoi? Ce n'est pas bien. Les gens qui te conseillent de le faire là. Est-ce que mon père a pris sa caméra, il a posé, fait le direct sur ma pépé pour raconter ce qu'ils ont vécu? Pourquoi toi tu vas venir parler de ta vie avec Thierry? Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Tu n'as pas besoin de ça. Je te dis en toute sincérité, tu n'as pas besoin de ça. Même si tu es dans n'importe quelle douleur, c'est vrai, c'est dur. Mais, je peux comprendre, mais tu n'as pas besoin de passer sur Facebook que tu vas parler de lui. Parce que tu vas parler de lui, tu vas dire des choses qu'il ne va pas supporter, il va vouloir se défendre. Et tu sais très bien, je te dis encore aujourd'hui, en tant qu'une grande sœur, tu sais ce que tu as vécu. Et tu sais que si les photos et les vidéos de ça se retrouvent sur les réseaux sociaux, tu peux te mettre une balle dans la tête. Personne, tu sais, on peut t'accuser de faire quelque chose. Mais si on ne t'a pas vu en action, c'est différent. Pense à ton passé. Pense à ce que tu as vécu. Et n'entre pas dans ça. Parce que moi, je connais Mako. Elle a le cœur. Elle est sans pitié. Moi, je la connais. J'ai fait la guerre avec elle. On a fait le Kosovo, l'Irak, ensemble. On a fait le Kosovo, on a fait l'Irak, on a fait les grandes guerres ensemble. Je la connais. Elle ne va pas te louper. Je te déconseille. Je le dis le cœur, la main sur le cœur. Quitte dans ce que tu fais là. Quitte dans ça. Parce que tu seras la perdante. Parce que ta part, elle, on connaît déjà sa part. Elle est sur Facebook depuis. Tout sa part, on connaît déjà. Il n'y a rien qu'on va lui dire là que ça sera que du réchauffé. Mais ta part, on ne connaît pas. Ta part, ta famille. Nous, pour nous, on connaît. Tout le monde connaît là pour nous. Parce que nous, on est là depuis. N'entre pas dans ce jeu. Moi, je vole ses mains pour te dire, parce que tu es la sœur de mon ami, je vais te dire, arrête qu'on ne te manipule pas. Parce que elle a les photos et les vidéos de ce que tu sais que je sais que tu sais que là-bas dans les champs,
Et si tu viens où? Chez son ennemi du moment. Que tu pars à cœur ouvert. Pour dire que tu vas aller parler d'elle. Tu vas parler de son gars, de votre mari. Elle ne va pas te louper. Moi, je connais son cœur. Elle est sans pitié. Elle est sans pitié. Elle va te verser. Et je suis sûre que tu ne vas pas tenir. Tu sors de loin. Tu es une fille qui a souffert. Tu sors de très loin. Que mon père ne te manipule pas. Il a ses problèmes avec elle. Qu'il arrange ça là-bas. N'entre pas dans ce jeu. Je te promets, vous êtes un trio. Il y a toi, il y a mon père et il y a Lolo. Trio. Quand tu vois d'abord qu'un homme, il finit avec sa femme et il avait les ennemis de sa femme, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un de bien. Un homme qui a respecté une femme avec qui ils ont vécu 9 ans, quel que soit ce que vous avez vécu ensemble, tu ne peux pas finir avec elle et aller chez ses ennemis. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un de bien. Quel que soit ce qu'ils ont eu ensemble. Ils ont été ensemble pendant soi-disant 9 ans. Mais elle a changé en quoi? Elle est toujours restée sur Facebook. Au contraire, elle s'est enfoncée plus. C'est depuis qu'elle avait Thierry que sa vie change. Elle était avec lui. Est-ce qu'un jour, il aidait à faire les papiers, les démarches administratives? Donner le sac à main ou bien donner la chaussure à quelqu'un, c'est quoi? Qu'on ne te flatte pas avec les baskets, ma chérie. Parce que nous sommes au courant que mon père te donne les choses. Qu'on ne te flatte pas avec ça. Elle a changé en quoi? Tu as vu un jour, elle a quitté Facebook? Parce que mon père l'a plutôt enfoncé. Qui l'a amené à Rouen? C'est mon père qui l'a amené dans cette ville. Et il l'a amené comment? Comment mon père l'a amené? Mon père l'a amené à Rouen chez l'une de ses ex. Présentée en disant que c'était sa soeur alors que c'était son ex. Elle est entrée dans cet engrenage. Elle a quitté où elle vivait à Paris pour aller le suivre. Arrivée là-bas, ça s'est passé comment? Donc il faut arrêter. Tu ne peux pas finir avec quelqu'un. Il a dit que ouais, que moi j'ai insulté Gagou. Moi je n'ai jamais insulté Gagou. Jamais. Si on veut seulement entrer dans ce jeu, il dit que oui, une fille qui a insulté Gagou, maintenant elle est amie avec. Je n'ai jamais insulté Gagou. Les injures que celle avec qui tu es là, Achille, je n'ai jamais sorti ces injures-là sur compresseur. Puisque c'est une fille qui a beaucoup de réserves. Compresseur, je ne l'ai jamais vue, je ne la connais même pas. Mais vous avez tellement mal de voix qu'on dit que Mako, Mako. Et tant que vous aurez mal, je vais tout prononcer Mako, Makota. Pour vous choquer encore plus que ça. On n'a pas besoin d'entrer que qui avait insulté, que c'était la guerre. Et si on veut regarder qui a insulté qui, on ne va pas s'en sortir. Toi qui es un homme, aujourd'hui elle est avec Thierry, elle ne peut pas s'asseoir n'importe comment faire le direct. Mais avec toi Achille, tu étais là, une fille et en train d'insulter les gens, tu es un homme. Tu accompagnes une femme bagarrée en France. Hein? Combien de fois tu l'as accompagnée lutter? Un jour, moi, je m'étais donné un coup de poing. La dernière bagarre. Tu accompagnes, un vrai homme accompagne sa femme bagarrée dans ce pays, mes chers frères et sœurs. Tu ne l'aimais pas. Parce qu'un homme qui aime une femme, plutôt, lui dit que si tu bagarres, casse tes pieds. Un homme qui aime sa femme, hein? Il va dire que tu essaies, casse tes pieds. Toi, tu étais là, tu attaches la serviette et le pain, tu accompagnes une femme qui est ta femme. Tu ne l'as jamais aimée. Aujourd'hui, elle vit vraiment l'amour. Ce qu'elle vit là, c'est l'amour. Parce qu'elle a peur de Thierry. Quand elle fait même le dire, elle regarde l'heure. Oh, il va rentrer à quelle heure? Tu ne pouvais pas être homme comme ça. Vous pensez que dire qu'on est un homme, c'est parce qu'on donne l'argent à une femme. Non, un homme, c'est celui qui a du caractère. Que quand tu essaies, il te donne un coup de poing, il te casse une dent. Oui, quand tu essaies, il te donne la gifle avec le derrière de la main. Tu es quel genre d'homme? Tu as fait quoi pour elle? L'a accompagné bagarrer avec les fleurs de lait, arracher la perruque. La dernière fois, quand ma perruque était arrachée, c'est toi qui étais au volant. J'ai sauté dedans comme super. Ma team! J'ai repris ma perruque. Tu étais là. Tu es venu prendre Mini Minor que tu vas mettre derrière la voiture. Je t'ai dit que tu pars où avec Mini Minor.
J'étais intercalée. Tu penses que tu peux me voir ou tu dis que tu vas me lever la main? Hein? Et puis on allait dire que non, c'est compression qui était trop mauvaise. Non, c'est pas compression qui était trop mauvaise. C'est toi qui étais autour d'elle. Si tu as un compte à régler avec quelqu'un, règle ça face to face. Face to face. Thierry, c'est un vrai gars. Oui, c'est un vrai homme. Ce n'est pas un traîneur. Parce qu'il tape la main sur la table, elle tremble. Elle tremble. Toi, tu étais là. On voit un monsieur en plein Paris, maman. En plein Paris, centre, au debout, debout. Au debout, debout. En train de tenir le portable que... pour filmer. Tu veux dire qu'elle t'avait trop attaché. Ce n'est pas le Ngrimba. Elle ne t'a jamais ngrimbalisé. Elle ne t'a pas Ngrimba. Un homme qui parle avec les faux profils jusqu'à 6 heures du matin. Tu parles quoi avec les faux profils de Tanga? Jusqu'à 6 heures. Tu dragues les faux profils. Les faux profils de TKC. Tu en as dragué plein. Tu parles avec eux. Tu racontes la vie de ta femme. Les faux profils. Comment un homme même va même... Je n'ai jamais vu un homme qui aime Facebook. Hein. Parce que moi, quand un gars me drague, il me dit d'abord que tes choses de Facebook, là, je n'aime pas. Je n'ai moi jamais vu un gars qui s'assoit, qui assume Facebook. Quand tu partais chez voisine bois, quand tu étais sorti de la mer, quand tu étais sorti de mer, tu es parti chez la voisine, tu as demi-verre de whisky. C'est là-bas qu'un vrai homme prend l'appartement à Sanga. C'est toi qui as fait que ça soit comme ça. Tu arrives dans une ville. Au lieu que vous prenez l'appartement pour habiter, tu la prends pour aller habiter chez ton ex. La pauvre fille de Truy, elle a trop souffrance. Aujourd'hui, non. Elle a, au moins, elle est chez elle, ça a son nom. Que ça soit le chat, que ça soit les faux papiers, que ça soit chez elle, elle est chez elle. Tout le temps que vous avez vécu, tu prends une femme, tu amènes dans une ville pour aller habiter chez une autre femme. Tu ne peux pas parler, tu la fermes. Tu la boucles. Tu la boucles. Ta fille que tu tournes au Gagou. Tu allais prendre Gagou toujours pour aller habiter chez les gens, mon frère. Dans la vie, on évolue souvent par rapport aux enfants. Parfois, tu regardes ton enfant, tu dis que non, pour mon enfant, je veux moi changer, je veux moi tout faire pour prendre la piole. Tu rôdes jusqu'à se retrouver dans la rue en France. Elle se retrouvait dans la rue. Qu'elle n'avait pas où aller. C'est le gars-là qui l'a encore hébergé. Comment tu vas pas être avec un homme qui a toujours été avec toi? Vous me parlez de quoi? Elle va aimer ce gars. Parce que le gars l'a soutenu nuit et jour. L'homme même qui l'a mené dans la ville, arrivé là-bas, a fait quoi? Hein? Arrêtons un peu. Quand on aime une femme, hein, et qu'on aime ses enfants, on fait des choses pour prouver. Vous comprenez un peu? La première chose dans ce pays, c'est que quelqu'un doit d'abord voir là où il met sa tête. Tu ne peux pas être là que voisine. Un temps, tu faisais tout le... Elle faisait les vidéos chez voisine. Tu buvais le whisky, tu parlais fort. Quand elle insulte, tu es là, tu ris. Un vrai homme, quand sa femme commence à dégamer, il dit que, écoute, tu ne fais pas ça ici. Il parle fort. Ouais, maman. Je te donne le yaou natu. Vous comprenez un peu mes chers frères et sœurs. Je vais vous prendre l'exemple. N'est-ce pas? Avant j'étais seule. Aujourd'hui, il y a des choses que je ne peux plus faire parce que je ne suis pas seule. Quand je regarde ma mère, ma pauvre mère, je dis que si quelqu'un me donne rendez-vous de bagarre, je ne pars pas. Pas parce que peur de bagarrer, mais parce qu'elle me dit que le temps que je veux sortir pour aller tcham. Si maintenant arrivé que je ne rentre pas, qui va donner les médicaments à ma mère le soir? Qui va s'occuper d'elle? Hein? Qui va? Donc, je ne peux plus faire certaines choses. J'ai changé. Et ce qui m'a fait changer, c'est ma mère. Oui. Parce que quand elle la regarde, je dis que je ne bagarre plus. Si quelqu'un m'attaque, je fuis. Ce n'est pas parce que j'ai peur.
Quand j'étais encore seule, je m'en foutais. Quand tu me donnes rendez-vous, je cours, je suis là. Mais aujourd'hui, je ne peux plus faire ce genre de choses. Parce qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Voilà. Mon frère, arrête ce que tu fais là. Mon père, arrête. Même le message Mbrakata que tu as fait là, que on soutient. Après, tu chantes, tu chantes. Tu n'as pas besoin de ça. Prends ta caméra, tu fais le direct. Parce que bientôt, tu vas commencer à faire les directs. Tu as toujours aimé ça. Tu avais combien de faux profits dans la TKC? Que tu insultais toi-même, ta propre gars. Comment un homme peut créer le faux profit pour insulter sa propre femme sur Facebook? Pour qu'elle accuse quelqu'un d'autre alors que c'est lui. On peut être méchant comme ça. On peut faire ça. Aujourd'hui, tu es avec qui? Tu es avec qui? Tu avais, c'est vous formez un clan, un trio de quatre personnes. Je ne vais pas citer la quatrième personne. Il y a toi, il y a Tatiana, il y a la fugitive qui est au Cameroun là, et il y a un autre monsieur que je ne citerai pas son nom, parce que c'est quelqu'un qui a été très proche du compresseur. On dit dans la vie que la personne qui te fait du mal ne sort jamais de loin. C'est pour ça que je me méfie jusqu'à... Je me méfie. Ça ne va pas sortir de ma bouche. Ils sont quatre. Un trio pour la combattre parce qu'on s'appelle Mako. C'est moi qui lui ai donné l'homme. Hein? Vous m'en voulez pourquoi? C'est l'amoureuse. Est-ce que c'est moi qui lui ai donné? Elle a changé. Elle est bien. Tous les abeilles disent que comment tu es belle, notre tata. Tu es belle. Et moi, je vous dis donc aujourd'hui que je vais acheter ses marmites pour l'accompagner dans ce mariage. Elle a toute ma bénédiction dans ce mariage. Elle a ma bénédiction. Je vais acheter ses marmites et ses draps. Je vais l'accompagner. Je vais porter sur la tête. Je serai derrière. Je vais chanter la sombre. Oh, 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 à sombre. Je vais l'accompagner. Arrêtez de voir les couples. Les gens vous disent que ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer que vous êtes Dieu. Arrêtons un peu. Oh, ça ne peut même pas durer. Le gars, les semences là comme ça. Que la fille lui apporte quoi? En dehors de préparer, il mange. Elle peut lui donner quoi? Et l'agnasse, parce qu'il est fort aux fesses. Elle n'a pas l'argent pour lui donner. Il travaille, il lui donne. Maman, je préfère quelqu'un qui part travailler tous les jours. Même s'il gagne ses 1200 euros. Au moins, c'est que dans les 1200 euros, j'ai mes 200 euros tous les mois assurés. Qu'un tchatchaman, qu'il fait le tcha, ça peut donner aujourd'hui. Demain, ça ne peut pas donner. Après-demain, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dessus. Dans la vie, en Europe, vous avez des formations, allez travailler. Allez travailler. Un homme qu'on respecte, c'est celui qui travaille. C'est pour ça que l'autre manguier, là, malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui travaille avec sa large bouche, ses mains dures comme le quoi. Au moins, il part, il travaille. Il travaille, il a un travail. Allez travailler. Une femme aussi a besoin d'être dans le divin. Elle dit que mon mari fait tes choses dans la vie, mon gars travaille. Oh, ton gars fait quoi? Il fait les affaires. Ton gars fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ton gars fait quoi? Non, il fait les affaires. Quand on dit affaires, les hommes d'affaires sont les photos Vitor. Hein? Quand on dit qu'un homme d'affaires, c'est les photos Vitor, les Kaji, les gens qui font les affaires, que les conteneurs, il envoie les centaines de conteneurs, il fait ceci, il investit, il construit au Cameroun. Les grands hommes d'affaires sont les gens comme le président Amote. Il investit au Cameroun, il a la CIA immobilier, il fait des choses. Vous êtes là, ton gars fait quoi? Il fait les affaires. Quelqu'un est là sur Facebook avec son téléphone. Deux puces. Il fait quoi? Il fait, mon gars, il fait. Quelle affaire? Ne confondez pas, arrêtez de salir les gens qui font les affaires, mon frère. Quand on dit homme d'affaires, ce n'est pas ça. Quelqu'un s'assoit sur Facebook en longueur, il parle avec les faux profils, il drague les faux profils, il crée les profils, d'autres profils, lui-même il a une femme sur ça. D'autres profils, il est un blanc. L'autre profil, il est anglais. L'autre, il est américain. Et ça là, vous allez dire que non, c'est un homme d'affaires. Quel homme d'affaires? Ça, ce sont les petits racketeurs, arracheurs de porte-monnaie. C'est tout. Photo Victor, un nom de banaka. Un photo Victor, un gars, tu bana, un foussap. Un nom de foussap. Kaji. Kaji de foussomo banama. Un bana. Là, mais il y a un salé. Allez, mon gonjon, ça dit. Ah. Ben, ça dit, t'as
Femme banane quoi, femme banane, t'aimes ça non? Un seul kaji peuvent kaji bien non ma? Banane. Pas mamie, je n'ai pas faim non? Pas nous kaji pas, nous kaji et vous faites les mêmes joies kaji bien. Pas pour nous, pas banane, pour nous kaji bien, kaji en tout cas. Vous êtes Walenga ou nous que Kaji bien. Si ce n'est pas la Kaji ou rien. Des bamiers qui sont tribalistes. Kaji. Ouais, maman. Quoi? Kaji bien ou rien. Quoi à l'ouest? Kaji. Tu as quoi? Kaji bien ou rien. Pour fang, non? Donc voilà. Je pense que j'ai été assez claire et que vous n'êtes pas aussi choqués par ce que j'ai dit. Et que, voilà, moi, j'ai parlé ce qui vient du fond de mon cœur en disant, vraiment, laissez comme ça. Je vais aller me coucher. J'ai envie de manger la pastèque. Claude Akam, tu dis que quoi? Claude Akam, tu ne supportes pas. Ouais, c'est votre tata, non? Elle n'a pas arraché. Hein? Ce n'était pas sa copine. Elle préparait pour eux. Elle préparait seulement pour eux. Le président Claude Akam dit qu'il ne supporte pas le comportement de Maman Perpé parce que Maman Perpé a pris le gars de Truy. Et je suis en train d'expliquer au président Claude Akam que non, en fait, elle était prévenue. Donc, elle savait qu'il partageait. Maintenant, elle est devenue maintenant deuxième bureau. Parce que maintenant, j'ai vu celle qui était la première est devenue deuxième. Parce que l'autre jour, ma copine a dit que pourquoi tu allais dormir chez moi? Pourquoi tu allais dormir dans mon lit? Maman, aïe! Maman, tu as le cœur. Vraiment, les bassins, hein? Vous avez le cœur, maman. Si c'est moi, j'aurais moi honte. Ma copine a carrément dit... À la première gaké, tu allais dormir chez moi l'autre jour. Pourquoi? Pourquoi tu as dormi dans mon lit? Donc chacun a son tour là-bas, maman. Hé, les Yaoundé. Les bons écraseurs. Papa, tu es fort. Tu es fort. Mes félicitations. Oh. Où tu vas choisir? Moi, je vais seulement que suivre. Je vais aussi suivre seulement. Elle dit que... Hier, j'ai vu le direct de Marthe Chopin. Elle dit que quoi? J'ai rigolé. Elle dit que j'ai vu ça chez le premier ministre. Elle dit que non, qu'elle n'aime pas trop le way. Et que vraiment, son gars même a bagarré avec elle. Vous avez vu les vieilles chouettes là, comment elles sont? Que son gars a bagarré avec elle jusqu'à... Et puis, c'est comme ça qu'elle a donné. Même elle ne voulait même pas... Après, elle dit qu'elle n'aime pas trop. À la fin, elle dit que oui, elle donne deux fois par semaine. J'ai dit que maman, deux fois par semaine, c'est trop. Elle dit même qu'elle a vu le vin rouge. Que l'autre jour... C'est-à-dire qu'elle voulait nous montrer que c'est tellement fermé. Maman, vous avez vu? Elle dit que non, l'autre jour, même le vin rouge, même s'est versé un peu là, et tout, et tout. J'ai seulement dit que maman, la femme, si le vin rouge peut encore venir. Le vin rouge, elle dit que oui. Il y avait le vin rouge un peu tellement. Non, elle ne fait pas. Il y a qui m'appelle. Ok, celui-ci m'appelle pourquoi? Tu m'appelles pourquoi? Toi et moi, on se connaît ou quoi? Franchement. Non, une femme qui fait deux fois par semaine, c'est trop. Franchement, c'est trop deux fois par semaine. Il faut dire à Marthe Chopin que j'ai dit que. Que deux fois par semaine, vraiment, c'est beaucoup. Oui. Quelqu'un qui n'aime pas trop, mais fait, donne jusqu'à deux fois la semaine. Je seulement dit que maman, avec sa petite voix là. Avec sa petite voix là. Non, elle a une petite voix. Elle n'a pas la voix des clashs. Parce que quand elle parle, on n'entend pas bien. Elle parle doucement. Et moi, j'ai... J'ai compris pourquoi elle écrit seulement. Elle n'a pas la voix de feu. Sa voix ne sort pas. Hé, compresseur.
Vraiment, comprends ça, tu n'es rien. Mate, je parle, laisse ma copine, c'est comment? Comprends ça, tu n'es rien. Sa voix ne sort pas, hein? Comprends ça. Ou bien, comprends ça, tu n'es rien. Tu arraches le mari de tout, oui. Tu arraches le mari de tout. Les hommes, elle dit que quand je suis ici au Cameroun, quand ça va, je jette, je prends quelqu'un d'autre, je jette. Si ça ne va pas, je mets de côté, vous dites que je change toujours, mais quand ça ne va pas avec mes principes, je prends, je jette, je prends quelqu'un d'autre, je prends quelqu'un d'autre. Je suis ici, je suis un procureur, j'ai mon gars, c'est un procureur, ce n'est pas n'importe qui. Les vraies filles, au Cameroun. Ouais, oh. Mon gars, l'autre jour, on a bagarré sur le lit, comme il est là. Elle voulait nous montrer que il est là, d'où. Elle dit que, comme il est là, c'était vraiment le gars, on a trop bagarré. Et comme elle parlait, c'est comme si elle a toujours le rhume, non. Elle a toujours le rhume, c'est comme si elle est grippée. Elle dit non. Bagarré. Ouais, maman, je vais aller. Osso Vito était Banjoun, pas Bafoussam. Moi, Bafoussam, Banjoun, tout ça. Pour moi, c'est la même chose. Hein. Moi, je connais pas la différence. Vraiment, désolé. Hein. Bisous, non. Je vous laisse. Maman, le string me fait mal. Tu as apporté le string. Aïe, j'ai mal. Ouf. Bisous, 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 bisous.